C'est bon, je suis prêt. On peut y aller. D'accord. Alors, commençons l'entraînement. Allez, Benji. Déjà, tu vas descendre jusqu'au rez-de-chaussée à pied en passant par les escaliers. Et tu cours. Est-ce que c'est compris? Quoi? Je dois vraiment faire tout ça? T'exagères un peu trop là. Pas du tout. Je suis très sérieuse. Allez, Benji, c'est parti. Vas-y! Non, en fait, je ne suis pas prêt. Une demi-heure plus tard. Enfin, je suis arrivée dehors. Bordel, je suis mort. Deuxième exercice. Quoi? Ce n'est pas fini? Fais-moi 10 fois le tour du bâtiment. Prêt, mais je... À l'aide, ce n'est pas un entraînement, c'est carrément de la torture, ça. Nagui, je suis fatiguée, on ne peut pas faire une pause. Après ton entraînement. Quoi? Mais je suis fatiguée, moi, j'en peux plus. Tu t'y habitueras à force, ne t'inquiète pas. Un petit entraînement de 2 heures tous les jours jusqu'à ton combat contre Sasuke ne te fera pas de mal. Quoi? Tous les jours, pendant une semaine entière? Tu veux me tuer ou quoi? Tu veux le battre, n'est-ce pas? Bah oui. Alors, fais ce que je te dis. Je te dis que tu t'y habituerais. On n'est pas sorti de l'auberge. 10 minutes plus tard. Je suis mort. C'est bon là. C'est bon, tu as gagné. On fait une pause de 10 minutes. Mais c'est juste parce que tu débutes et rien d'autre. Merci beaucoup. Tu me sauves la vie. Ah, enfin je vous trouve. Oh, mais c'est le mec avec des drôles d'oreilles qui voulait nous empêcher d'aller voir dans la forêt maudite. Ce n'est pas de ma faute. Je suis né comme ça. Je suis un Inu Boy. Enfin, pour dire, moitié garçon et moitié chien. Et mon nom c'est Mana, espèce de mal élevé. Allez, Médor, va chercher la baballe. Minagi a lancé la balle aussi loin qu'elle a pu. Zut, je me suis encore fait avoir. J'aurais dû me taire. Bonjour. Est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'elle est belle. Pardon? Quoi? Mon nom c'est Mana. Et toi? Nakane, ravie de faire ta connaissance. C'est la première fois qu'un garçon me dit que je suis jolie. Désolée, mais je dois y aller. Bye. J'espère qu'on se reverra. Passe une bonne journée. J'espère bien. Allez, à plus. Ciao. De retour vers l'entraînement intensif de Minagi. Allez, la pause est finie. Troisième exercice. Fais-moi 100 pompes. Et plus vite que ça. Et ça repart. Allez, une, deux, une, deux. Oh, allez, courage, mon vieux. On dit toujours que d'avoir des tablettes, ça attire toutes les filles qui te voient. Alors je ferai de mon mieux. N'importe quoi. Une demi-heure plus tard. Tiens-toi prêt pour l'entraînement final. Dernier exercice. Tu dois essayer de me toucher. Évite les parties intimes quand même. D'accord? Ça n'a pas l'air trop compliqué. Par contre, pour les parties intimes, comme tu dis, ce n'est pas de ma faute si je touche ta poitrine sans faire exprès. Parce que on ne la voit même pas. Oups! Je viens de dire une gigaboulette. Elle va m'assassiner. Je suis mort. Comment ça? Tu oses insinuer que je n'ai pas de poitrine? Ce n'est pas de ma faute. Tiens, voilà ta punition. Seagull Spider-Fall! Oh, quelle horreur! C'est écœurant! Retire-moi de là! Elle tient bien son nom. Alors, elle colle bien ma toile d'araignée? Pour la peine, tu resteras tout le temps de ton dernier entraînement. 40 minutes pour être exact. Tu l'as bien mérité! Oh mon Dieu! Je vais mourir de sécheresse sur cette toile! Quel malheur! Tu veux que j'appelle sa gardienne? Si elle te voit sur sa maison, elle aura de bonnes raisons pour te croquer.
Non, merci. Je pense que c'est bon. D'accord. C'est bon. Tu n'as plus besoin de moi. Alors, à tout à l'heure. Non, reviens. Et voilà ce qui arrive quand on met une fille en colère. Je vais devenir un gothique grillé par cette chaleur abominable. Au diable des espoirs. Ce pauvre garçon commença à devenir fou et raconta des histoires sans queue ni tête. Mais heureusement, sa punition terminée, il retrouvait ses esprits en suppliant Dieu de le pardonner pour toutes les fautes qu'il a pu commettre.